Alors aujourd'hui avec Mon Cuisine, je vais recevoir Audrey. Elle est vietnamienne et corse, ça faut bien le préciser. Elle est actrice et vient actuellement de lancer sa marque Jaco, une marque de vaisselle que je vais d'ailleurs utiliser pour lui faire un bon bento. On va faire un peu de cinéma aujourd'hui. Oui, tu sais que j'ai toujours les seconds rôles. Bah, aujourd'hui c'est toi le premier rôle là. Ça va toi? Ouais. Ouais. Donc tu m'as ramené ta vaisselle. Oui. Ça tombe bien parce que j'avais trop envie de te préparer un bento. C'est trop beau. Et quand tu m'as dit que tu faisais ta propre vaisselle, que je trouve super sympa. Ouais. Et donc on va en profiter pour l'utiliser et faire au maximum la remplir avec des bons produits. Ouais. Ok. Donc là on a décidé, je vais le mettre dessus. Il y a celui-là, il est tout petit. Tu vois. Je t'avais demandé de 8. Tu vois, parce qu'on va essayer de faire 8. Parce qu'un bento, il y a beaucoup de compartiments. Donc là, on va essayer de faire dans celui-là. On va essayer de mettre le sando, le sandwich. D'accord. Que je vais t'improviser avec de la dinde, du shiso, du kiri. Et de la sauce un peu bulldog, la sauce barbecue. Dedans, on va te faire des bouts de riz furikake. Furikake, c'est ça. C'est un mélange de. En fait, c'est le meilleur ami du riz. D'accord. Ça, c'est le meilleur ami du riz. Tu vois, c'est plein de petits trucs séchés. Il y a même des petites fleurs, regarde. Là, les petites fleurs. Œufs séchés, il y a de la bonite, il y a de l'algue, il y a plein de choses dedans. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de parfums. Donc, ça, je te dis, c'est vraiment le meilleur. Quand vous voulez faire manger du riz aux enfants, vous mettez ça à l'intérieur. Ça donne plein de couleurs, ça donne là du goût. Bon, ça a un goût de poiscaille, mais c'est grave bon. Ok, je vais te faire ça. Je vais te faire les petites saucisses qu'on va transformer. Je vais te faire des karagés. On va te faire deux pièces qu'on va mettre ici. Je vais te faire une potato salade à la mayonnaise. Mayonnaise japonaise, bien sûr, avec le petit bébé punk qu'on va mettre là-dedans. Et je vais te faire des haricots frais avec une sauce sésame qu'on va mettre là-dedans. Et puis là, il reste ça. Ben, là-dessus, on va mettre deux petites tomates. Et ah ouais. Et on va faire le tamagoyaki. L'œuf dans un œuf dans un œuf. C'est une omelette dans une omelette dans une omelette. Ça fait un petit escargot qu'on va présenter ici. Et on va faire avec du nori. Après, pour faire la marinade de ça, on va te mettre du saké. Si vous voulez éviter l'alcool, c'est pas obligé. On va mettre du mirin. C'est le sort de vinaigre de riz. Okay. On va mettre la sauce soja. Un petit peu de sel. Et de la fécule de pommes de terre. Okay. Tout petit peu parce qu'on va en mettre après. On va laisser mariner pendant un bon quart d'heure. Pendant ce temps-là, on va faire le reste. Là, pendant que l'eau bout, on va éplucher ça. Il est où? Là. On va éplucher ça. Un concombre, on va garder la peau. Et bon, j'ai épluché la carotte en disant que c'est la pomme de terre. Qu'est-ce que je l'ai mis où? Je l'ai mis dans cette poche là. Mandoline portable. Ah oui, et j'étais là pour l'achat. Je me rappelle. C'est trop grave. Mais bon, c'est pratique, ils ont vraiment des trucs un peu tout et n'importe quoi. Là. Donc faut couper, vous coupez pour faire la salade, la potato salade. C'est genre une version cubique un peu. En fait, nous on coupe comme ça. Okay. Ouais. Mais au Japon, pour que justement les trucs n'aient pas tout à fait la même forme, quand tu manges des curry japonais, ils te les coupent et ils font tourner en même temps. Tu vois? Donc j'ai toujours pris l'habitude de couper. Quand je fais des ragoûts, des potages, des curry, des machins, j'ai toujours pris l'habitude de couper mes carottes comme ça. Parce que c'est plus sympa d'avoir un truc qui a une forme bizarre que d'avoir des rondelles. Ouais. Tu vois, c'est un peu pour ça. C'est original. Ouais. Donc on va faire les carottes. Mais c'est pas cru du coup les carottes. Non, après vraiment, on va dire que les carottes sont cuites. Ouais, c'est ça. Bon, pareil, la pomme de terre, sachant que la pomme de terre, c'est une potato salade, donc elle va être grossièrement écrasée. Donc tu t'en fous de comment tu vas la couper. D'accord. Parce que quoi qu'il arrive, on va l'écraser à la fourchette. Après, on va prendre les haricots. Léger, pareil. Ceux-là, on va pas les mettre longtemps. Je les mets dans l'eau. Ah, direct, ok. Sans couper. Non, après, on les coupera pas. Parce que j'ai peur que si je les coupe maintenant, s'ils cuisent, ils s'ouvrent. Mmh. Ils éclatent. Donc, ouais. Si vous n'avez pas le. Ça, c'est vraiment pratique. Waouh, une main trop forte. Carrément, c'est trop. Elle fait de la vaisselle, là. Faut bien qu'elle sache faire la cuisine aussi. Non, mais c'est vrai.
Elle fait de la belle vaisselle, elle doit te faire des super beaux plats avec. Attends, j'ai mis une coquille dedans. Tu peux l'enlever avec ça ou... Avec ça, enlève avec ça. Avec ça? En fait, tu sais que pour ramasser quelque chose dans un œuf, quand il y a un truc qui tombe à l'intérieur, quand tu essaies de prendre avec tes doigts, c'est impossible. Quand tu prends avec la fourchette, c'est impossible. Quand tu prends avec la peau, où est-ce qu'il est? Il vient plus facilement. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est habitué et c'est la même texture, donc c'est pour ça. Il a reconnu la maison. Il a reconnu la maison, ouais. Donc voilà, les pommes de terre cuites, je te laisse mélanger, tiens. Ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous mettez un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre. Et on va faire une omelette dans une omelette dans une omelette. On va faire en trois fois. Okay. Là, j'ai bien fond. Regardez ça. Bas à fond, hein. Vraiment, faut vraiment qu'elle soit vraiment complète. On va mettre un petit peu de sel. Bon, ça, je fais attention. Vas-y. Tu mets, sachant qu'on va faire en trois, donc tu mets un peu d'omelette. Tu répartis, bien comme il faut. Comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de poils carré, une poêle ronde, c'est pareil, tu la replies. Faut pas prendre des grosses poêles. Faut pas mettre trop fort. Quand ça cuit, après, tu décolles. Tu la roules? Ouais, omelette dans une omelette, voilà. Elle est là, ça c'est terminé. Tu en mets une autre. Tu fais couler, ça tombe derrière. Comme ça, ça va l'accrocher. Je vais mettre un petit peu plus. Voilà. Avec du nori. Feuille d'ail. Feuille d'ail. J'ai jamais vu la confection de comment tu dis? Nori. Nori, ça veut non, dire. Non, le plat. Ah, tamagoyaki. Tamagoyaki. Tamago, c'est œuf et yaki, c'est grillé. Je penserais à tamagotchi pour m'en souvenir. Tamagoyaki. Ouais. Bon, et faut le plier dans le sens. Je suis en train de plier du mauvais côté. Tu plies dans le sens. Ah, tu ramènes après. Tu plies dans le sens. Tu replies. Ouais, comme ça va te faire plusieurs couches, quoi. Exactement. Mais là, toi, c'est un peu trop chaud parce qu'elle commence à s'aérer. Vraiment, pas mettre trop chaud. Et la dernière, un petit peu d'huile pour la dernière. Tu mets le reste. Et tu vas aussi mettre une feuille d'ail. Ouais. Okay. Tu peux mettre du fromage, tu peux mettre du fromage à burger, là, c'est le cheddar. Tu peux mettre. Tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Là, tu laisses cuire. Tu décolles. Voilà. Et ce qui est bien normalement, ouais, c'est après ce qu'il faut faire, c'est où quand elle a pris une bonne forme comme ça, bah, c'est bien. Mais si vous n'avez pas la plaque carrée, la poêle carrée, tu le laisses pour vous le rouler dans un cellophane. Tu mets dans un cellophane. Et après, tu l'écrases pour mettre à la forme comme avec les sushis et tu le laisses reposer dans un coin. C'est plus facile avec ça. C'est plus facile avec ça et franchement, la poêle, ça coûte 10 balles. En quartier Jap, tu vas. Okay. Là, tu trouves ça dans le quartier Jap? Ouais, ouais. Ok. Ouais, elle est belle. On va essayer de couler les deux côtés comme ça, c'est bien. On va voir où ça en est. Je vais te faire quoi? On va faire ça. Tiens, on va en profiter. On va mettre un petit peu d'huile là-dedans. Tu vas t'occuper des saucisses? Ouais. On va prendre au milieu là, une fois. Là ça fait 4. Deux fois. Après on va partir dans la diagonale, mais il faut bien tenir. N'importe quelle saucisse, hein. Là j'ai pris des knackis, mais je pense que... Voilà, tu vois, ils sont là. Normalement ça va s'ouvrir tout seul. Après, on va essayer d'en faire dans l'eau. Parce que je crois que dans l'eau, dans l'eau, ça marche. Ça se fait bien. En fait, après, tu vois, les haricots verts, pour qu'ils restent bien verts, tu les mets dans l'eau froide direct. Normalement, il faut mettre dans l'eau froide avec les glaçons. Mais l'eau froide, ça ira.
Ouais, tu vois, quand tu mets dans, dans l'eau, ça va beaucoup plus vite. Ah ouais. Ok, tu sais quoi, je vais en faire 4. 2 qu'on va mettre dans, dans le bento et 2 que vous allez manger. On va commencer à dresser le tamagoyaki. Donc les 2 petits morceaux ici. Tiens, je laisse manger ça. On les enlève. Après, tu coupes au milieu. Ça fait un roulé. Ouais. On va prendre ceux du milieu, tu vois. Comme ça, il y a le nori à l'intérieur. Je le trouve parce que c'est bien moelleux, mais c'est pas. Ouais, c'est super. C'est pas baveux non plus. Ouais, ouais. Tu vois ce que ça donne ? Waouh, trop beau. Mmh, j'avoue. On met comme ça, on dressera après. Okay. Mmh. Ah, parce que t'as du jaune, du blanc et du vert. Ouais. Tiens, vas-y, goûter ça. On mange faire. Donc, ce qui est bien dans les bento, c'est moi. En 2002, j'habite au Japon. Ouais. Et ouais, je sais très bien. Ça me dit tout. Et j'étais, je travaillais et j'étais prof d'anglais pour des enfants. Et à chaque fois qu'ils y ramenaient leur bento, bah, je faisais une cuillère pour moi, une cuillère pour eux. Donc je suis arrivé et franchement, les parents là-bas, ils se prennent la tête sur, sur la bouffe pour les petits. Hein. Parce mais qu'ils te faisaient des bento mignons, c'était franchement, c'est vraiment joli. Bien. On en est où avec la pomme de terre? On a tout terminé. Tu vois? Potato salade, tu vois que la pomme de terre, les carottes sont cuites, entre guillemets. Là, tu rigoles. Et en fait, ce qu'on va faire, il faut. Ah, c'est une purée en fait. C'est pas. C'est presque. Ouais, c'est une purée. Faut qu'il y ait quand même encore des morceaux. Tu vois. C'est ça. Mets ton maïs. Intérieur. Tu mets. Pas trop de concombre si c'est pas trop de concombre. Ok. On va mettre un petit peu. On va mettre ça. C'est des petits concombres. Donc à la vue, c'est. En fait, j'aimerais bien aimer le concombre, mais j'y arrive pas. Attends, c'est rafraîchissant. Bah, c'est ce que tout le monde a dit. Mais j'aimerais bien, j'essaye, mais j'y arrive pas. Ouais. Là, ce que vous faites, les concombres, vous les coupez en, en quart de lune. T'as dit quoi? Pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup là, regarde. C'est la moitié là-bas. On met un petit peu de mayonnaise japonaise. Et c'est quoi la différence entre la mayonnaise française et la mayonnaise japonaise? Elle est plus aérée, pour moi à mon goût, elle est plus aérée et plus vinaigrée. Plus vinaigrée? Tu peux goûter vite fait. Ah oui. Tu préfères? Ou la française? Ou la corse? Après c'est vraiment un classique, celle-là elle est connue. Ils viennent de changer le packaging, dommage. Parce que tout le monde était habitué un petit peu à... À ce packaging, genre un petit peu, tu vois, on dirait qu'il va te. On dirait que c'est un sac plastique, tu vois. Avec un bébé dessus. Avec un bébé punk dessus. Donc voilà, potato salade, elle est là. On va la mettre là-dedans. Tu vois, dedans, il y a la mayonnaise, les pommes de terre grossièrement écrasées, les carottes grossièrement écrasées, et le concombre. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais beaucoup de dés. Mais, ouais. Voilà, potato salade. Là. On va mettre ça de côté. Je vais te faire les haricots sésame. Haricots sésame, tu vois, on les a laissés tremper. Dans l'eau froide. Dans l'eau froide. On va les couper. On va déjà dégager ça. On va dégager ça. On va les essuyer. Parce que c'est quand même... Il faut pas qu'il y ait de la flotte dans la salade, tu vois. Après... Je les coupe en deux. On va les mettre sur ton petit truc ici. Ça, c'est un erikomi, c'est une technique japonaise de. Où tu mélanges tes terres et en fait, il n'y a pas de peinture, c'est la terre qui est directement teintée. Ah ouais? Et vous les coupez en tranches comme ça, ça fait des tranches de fleurs. Voilà. Limite, franchement, c'est mignon. Ouais. T'as fait de la cuisine dans. Ça, ouais. T'es dans le thème. Ouais. C'est super beau. Tu peux faire ça n'importe quelle couleur. En fait, tu mets une teinte quand même de couleur d'abord. Ouais, c'est ça. Je mets une teinte et après je mélange les terres pour me faire un dégradé, tu vois le dégradé du pétale. Ouais. Après tu fais plein de pétales, tu les roules et après tu les prends en tranches et ça te fait une. Bah franchement c'est très joli. Ouais, tiens, goûte cette la sauce sésame. La sauce sésame japonaise c'est juste magnifique. Trop bon. C'est toi qui l'as faite ou c'est là? Non. Mais pour la faire c'est facile. Ouais. Pour la faire c'est facile. Mais là, comme on avait trop de trucs à faire, j'ai pas pris le risque. Bon. Ouais. Et là, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien dans, quand tu manges la salade d'haricots, il n'y en a jamais beaucoup déjà, et tu mets 2-3 feuilles
de bonite par-dessus, tu sais, le... qui bouge. Là, elle bougera pas parce que c'est ce qu'on retrouve sur l'économie l'économie acquis, tout ça et tout. Ouais. Je voulais sortir ma science. Ouais. Ah ouais. Encore un petit peu de sésame. Là, on a ça, on a ça, on a ça. Donc là, on en est à. Là, 3. Les karaagés, on va les faire cuire ici. La simplicité, ici, il faut toujours un petit peu de fraîcheur. On va mettre les deux tomates. Ouais, c'est pas le même ça. Vas-y. Ça, c'est, ouais, c'est du daikon. Ah oui. Tu connaissais Je connaissais, mais pas en jaune fluo comme ça. Ouais. Tiens, je vais faire un petit peu. En fait, c'est une marinade, vinaigre et curcuma. Ah, d'accord. Merci. Ça, tu peux le faire, on peut le faire à la maison, ça. C'est juste du radis d'alcool, tu fais vinaigrer et tu mets du curcuma à l'intérieur. D'accord. Tout simplement. On va mettre ça comme ça et on va mettre le poulet dessus. Ah, ça va être un peu bon. Je vais t'embêter, ouais. Tu vas me trier un peu de sésame noir. D'accord. C'est chiant, mais... Tu vas trier un peu de sésame noir. Là, je vais essayer de te faire un sando, c'est un sandwich japonais. Ouais. Ce qui vous pourrait prendre du pain de mie français, que ça marche, ou du pain de mie japonais. Il faut qu'il soit super tendre et plein de mie. Ouais. Là, ce qu'on va faire, on va le mettre au micro-ondes genre 10 secondes, histoire de le ramollir, dans un emballage fermé. Je vais conseiller à prendre de l'humidité. Là, je vais te faire un petit sando, un petit sandwich, et on va mettre plus ou moins tout ce qui se passe par la main dedans. On va mettre un petit peu de sauce bulldog. Mm-hmm. On va prendre de la feuille de shiso. On va mettre une tranche de dinde et on va mettre un kiri. Alors après, on retourne, on met là-dedans et ou tu laisses comme ça, ou t'écrases, ou sinon tu essaies de trouver un emporte-pièce. Vous essayez de trouver un emporte-pièce qui va avec. C'est un emporte-pièce. J'aurais dit tupperware. Non, ça c'est un tupperware, mais genre un emporte-pièce, tu vois. Tu fais ça, faut avoir un pain de mie un peu temps, tu vois, et ça te fait un pain qui est fermé. C'est comme un chausson en fait. Un chausson, il est scellé sur les côtés. J'adore les chaussons de pommes. Ah ouais? Mais bon, ça c'est pas trop la pomme. Non, c'est pas trop la pomme. C'est au kiri et à la dinde. Et qui pleure pas. Putain, c'est pas possible, c'est blague. Donc, tu piques ton petit sando. Mmh. Pour bien le maintenir. Pour bien le maintenir. Qu'il est là. Après, tu peux vraiment mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur dans le sandwich. Hein. Ça, je trouve ça mignon. Et là, on va ressortir d'aller pour la fin. Parce qu'il reste. Non, il reste la boule de riz et il reste le poulet. Donc là, le poulet, on va mettre avec la fécule de pommes de terre. T'en remets. Ouais. En fait, on a mis un tout petit peu au début. Mm-hmm. On va pas en faire beaucoup, on va faire 2-3. Vraiment une sorte de chapelure. Ouais, c'est une sorte de chapelure. Ça s'appelle un karaage. Et ça s'écrit comme si ça s'écrit karage. Karaage. Mais c'est karaage. Après ça, c'est bien, c'est quand tu laisses carrément toute une nuit imbibé avec le soja, le saké, etc. Ça te fait vraiment un poulet plein de jus. Mmh. Et ça aussi, c'est le genre de poulet qu'il faut faire double bain, c'est-à-dire que vous le mettez une fois à furer pendant 5-6 minutes et après tu le retires, on laisse reposer et on le remet encore une fois. Comme les frites. Comme les frites, ouais. Ah oui, les frites, en fait, les vraies frites, c'est double bain. Ouais. Voilà, vous prenez vos boulettes de poulet. Oh, doucement. Pardon, vous prenez vos boulettes de riz. Merci. J'étais occupé sur lui. Vous les roulez à l'intérieur d'une petite boîte. Et ça fait comme genre comme tes onigiris, quoi, mais sauf qu'ils sont pas. Les miens ou c'est de Stéphane? Stéphane. Et ils sont pas remplis. Voilà. Wow. Ça, ta petite boulette. C'est pile poil en plus, ouais. Donc tu vois, les karaagés, on les a mis 7 minutes. Double bain. Je le mets sur un petit papier absorbant. Là, c'est très très chaud. Comme le fait qu'on ait fait un double bain, ça te fait une pellicule autour du poulet. Donc ça va le garder à l'intérieur croustillant et plein de jus. Donc il faudra faire attention. On va laisser refroidir bien avant de manger. On va le laisser. On va essayer d'essuyer un petit peu. Ça va, c'est pas si gras que ça. C'est pas si gras que ça, justement. C'est la fécule de pommes de terre qui fait que. Ça comme ça, celui-là on va le garder en bénef. Tiens, je te laisse mettre la petite déco. C'est quoi sur quoi? Sur la potéto. Voilà, ça change tout. Et obligé de mettre de la mayonnaise sur le karaage parce que c'est un classique.
Et voilà, au bento. Ton bento est terminé avec ta jolie vaisselle. Merci. C'est trop beau. C'est magnifique. La jolie vaisselle qui met en valeur. On va mettre de ce côté-là. Donc, des tomates pour la fraîcheur. Poulet karaage avec les daikon au vinaigré ou au curcuma. Les petites pieuvres qui sont à l'envers, elles ont les yeux de notre côté. Tamagoyaki, la potato salade, la salade d'haricots verts avec la sauce sésame, les petits furikake en boule de riz et le sando avec ce que tu m'as dit. Là, que je t'ai fait un truc avec un petit peu de tout. Ok. Merci. Ok, tadakimasu. Wow. Allez-y, vous avez les baguettes. Attends, il faut que je prenne une photo avant. Non, je sais pas par quoi commencer. Les haricots peut-être. Les haricots sont fous. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les trucs les plus simples à manger, ça va être les haricots, la pomme de terre, les pieuvres, parce que t'as une par personne. C'est juste ça, je pense que c'est qu'une bouchée quoi. En fait, souvent dans les, tu vois, dans les bento, c'est vraiment c'est pour une personne. Hein. Mais là, je te fais vraiment un truc en double. Ils sont beaucoup plus petits. Là, toi, comme t'avais des beaux plateaux et une belle assiette, on a voulu faire en double, comme ça vous pouvez manger tous les deux. Ouais. Moi, je vais me contenter de mon karaage. Elle a évité le concombre. T'as vu ? Oui. Haricots verts frais, haricots verts conserve, haricots verts congelés, c'est pareil. Du moment que c'est bien fait, que la sauce suit, c'est pareil. Elle est comment ? C'est pareil, tu peux vraiment mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. Là, on a fait ça, ça donne des belles couleurs. Tu sais, avec une tranche de fromage, tu peux vraiment faire un truc avec du. Tu mets du beurre, tu mets du lait à l'intérieur, tu mets du bouillon d'hachi, du bouillon, c'est super bon. C'est une universelle, avec Kadhi, en plus c'est fou. Ouais, tu le plein, ouais, c'est ça, avec les conserves. Lam ni ben jangwa man man, lam ni ben jangwa man man.